Alors, hello tout le monde. Bon, pour ceux qui arrivent et ceux qui reviennent, donc en fait c'est un live avec Compress Sport France, avec Arnaud, le scientifique, le responsable scientifique de la marque. On devait le faire sur le compte de Compress Sport France. Malheureusement, bah il y a des problèmes de connexion. Je sais pas si c'est le réseau qui est saturé ou alors c'est simplement que ça veut pas marcher. Donc je vais attendre Arnaud qui se connecte. Et j'espère que ça va marcher. Donc le but est de répondre à toutes les questions concernant les interrogations qu'il y a sur la compression, sur les produits Compressport et tout ce qu'ils mettent en place. Voilà, donc on va attendre Arnaud. Il va me laisser toute seule quand même. Alors. Oups là. Alors. Donc, pour ceux qui arrivent, j'attends Arnaud, le responsable comme le responsable scientifique de Compressport France et de Compressport. Pour répondre à toutes vos questions concernant la compression et sur les produits de Compressport. Donc j'attends simplement qu'ils se connectent. Et normalement ça devrait le faire, j'espère. Si vous avez jamais vous avez des questions, je peux répondre en attendant. Alors. Y a Mathieu, mais je crois que c'est pas lui. Il n'y a pas des soucis en informatique, non, je crois pas, non, je pense que c'est simplement des soucis de connexion. J'ai vu une question de passer de combien de temps collabores-tu avec Compressport? Donc ça fait depuis 3 ans bientôt que je suis que je travaille, que je cours avec Compressport. Moi j'ai jamais été déçue et c'est une. C'est une équipe qui est vraiment. Arnaud arrive. Bon, super. C'est une équipe qui est vachement proche de ses ambassadeurs et athlètes pros. Donc j'aime beaucoup la manière dont ils travaillent. Donc, et leurs produits, évidemment. Alors, il faut simplement que j'arrive à cliquer sur le bouton. C'est dingue ça quand même. Voilà. On va y arriver. Là, ça. Voilà. Ouais. C'est bon. J'espère Alléluia. que tu te sens mieux cette fois. C'est bon, je pense que ça devrait le faire. Du coup, on en était où? Donc, on a fait un petit brief sur la compression à l'effort, quels étaient les sports vraiment qui étaient plus utiles ou pas. À la compression, et je te posais la question justement, est-ce que, donc on voit, moi j'ai testé beaucoup de tenues compressport, et on voit quand même que ce soit short et haut, c'est vraiment compressé. Donc je sais pas si c'est moi qui ai un problème de poids ou si ça a un but. Donc est-ce que vraiment ça a un but d'avoir d'un cuissard ou un haut de triathlon ou de course à pied plus ou moins serré par rapport à la compression? Ouais, non, en fait, si tu veux, l'idée, c'est de, ça va être vraiment de calibrer la compression selon les effets recherchés. Donc, par exemple, si t'es en trail, là, pour le coup, tu as vraiment besoin d'avoir une compression d'être un petit peu plus élevée pour justement réduire ses vibrations, quoi. D'accord. Donc, voilà. Maintenant, sur la partie haut du corps, c'est un petit peu différent. En fait, on ne parle pas tant de compression, on parle surtout de maintien, de support. L'idée, c'est vraiment d'améliorer la posture. Donc c'est pas tout à fait la même problématique. Et D'accord. justement là sur nos dernières collections en fait, tu as trois profils. Tu as de vêtements, de t-shirts en tout cas, tu as vraiment ce qu'on appelle le loose fit. Là tu es sur quelque chose d'assez ample. Et puis ensuite on va être sur quelque chose d'un petit peu plus fité, proche du corps, voire ensuite quelque chose d'un peu plus gainant, quoi. Donc D'accord. OK. voilà. Et ensuite, ben, comme ça va permettre un petit peu à tout le monde d'y trouver un petit peu son compte, quoi.
Le but, c'est D'accord. Ok, et du coup, par rapport aux blessures, je vois sur les questions, là, il y en a pas mal qui me répondent par rapport aux blessures. Est-ce que la compression est utile du coup et peut se préserver des ou même guérir des blessures qu'on a, notamment ouais. avec Alors, si tu veux, ouais, c'est une bonne question. Alors, c'est une étude qui a été mise en place il y a un bout de temps maintenant, hein. C'est une étude qui a été mise en place en l'époque, ça devait être 2012 ou 2013, et qui a été présentée à un congrès du Comité international olympique. Donc là, qui a été aussi publiée dans un journal anglais en médecine du sport, qui avait montré que la compression permettait de limiter le risque de blessure de l'ordre de 29%. D'accord. Donc c'est assez conséquent. C'est assez conséquent. Là, en fait, il va y avoir vraiment une origine autour de la vibration à nouveau. On sait par exemple que les vibrations vont entraîner des périostites, par exemple. Donc, tu auras intérêt, notamment, tu vois, si tu as la reprise de l'entraînement, ça peut être utile de porter des manchons de compression ou des chaussettes à l'effort, justement pour limiter ces vibrations et limiter le risque de périostite. D'accord. Et de la même façon pour les tendinites, en fait. Même chose pour les tendinites, en fait, tu vas limiter un petit peu l'inflammation avec la compression et du coup, tu vas limiter le risque de tendinite et c'est de l'ordre de 29-30%. D'accord. Ça c'est vraiment intéressant, quoi. Ok, ça marche. Et du coup, j'ai vu aussi, ça c'est une question que je me pose. Mon père utilise beaucoup, il a des problèmes de ménisque et du coup, il compense par sa cuisse, il a souvent des contractures, etc. Est-ce qu'il y a c'est mieux si on doit choisir une compression, est-ce qu'il faut plus se diriger vers les compressions mollets ou alors cuisse, si on doit choisir un des deux? Alors, s'il doit choisir un des deux, ben, pour le coup, effectivement, s'il vient à compenser sur le haut, autant prendre un short de compression. Autant D'accord. prendre un short de compression. Maintenant, s'il peut utiliser les deux, autant utiliser les deux. Mais D'accord. là, j'aurais tendance à dire, ouais, peut-être un peu plus pour la partie cuisse, quoi. Donc, D'accord. là, il y a des shorts pour le trail, shorts pour le. Si c'est à vélo, si c'est en course à pied, voilà, ça va dépendre. Mais là, il n'y a pas de souci par rapport à ça, quoi. D'accord. Et donc j'ai vu ceux qui n'étaient pas là juste avant. Donc par rapport, il y a des questions par rapport aux distances. Est-ce que tu peux répéter justement ce que tu m'as dit par rapport à partir de combien de kilomètres il faut mettre des manchons, etc. Ouais. Donc en fait, à nouveau, le curseur en fait va être placé différemment selon votre niveau. Plus vous entraînez, plus vous aurez besoin de, enfin, les manchons à partir d'un certain nombre de kilomètres. Et puis plus vous allez débuter, ça va arriver vite. Par exemple, hein, si vous débutez, là pour le coup, si 8-10 kilomètres suffisent pour que vous ayez des courbatures, vous avez besoin de manchons de compression. Si vous faites un footing de 10 km, vous n'avez pas de courbature, en soi, vous n'avez pas besoin. Et vous allez allonger un peu les distances. D'accord. Eh bien, allonger les distances, ça va induire de la casse musculaire, ça va induire éventuellement un risque de blessure plus prononcé, etc. Donc là, il y aura un vrai intérêt à porter de la compression, quoi. D'accord, ok. Maintenant, je vais passer sur un autre thème. Donc, comment choisir justement sa compression? Donc, moi, la première, je t'avais posé la question. J'arrivais pas trop à savoir si j'arrivais à être bien avec des manchons de compression. Donc, du coup, j'ai évité d'en mettre en course parce que j'avais peur de pas les accepter, entre guillemets. Donc, comment il faut vraiment choisir la taille de ces manchons de compression et pour en avoir les bienfaits au maximum? Ouais, alors je vois aussi une question là dans le chat. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la compression selon l'usage, si vous êtes au repos ou si vous êtes à l'effort. Et puis ensuite, effectivement, quelle taille? Si on commence un petit peu selon l'usage, en général, on va plutôt porter des manchons à l'effort et plutôt des chaussettes en récup. Ouais. C'est plutôt comme ça qu'on fait. Alors pourquoi des chaussettes en récup? Parce que la chaussette, en fait, vous avez une compression. Si je reprends un petit peu tout à l'heure sur le retour veineux où il faut appuyer fort en bas, la chaussette va permettre ça. Plutôt une chaussette en récup. Dans l'absolu, on peut porter un manchon aussi en récup, mais c'est maxi 2 heures parce qu'au-delà, le sang pourrait D'accord. venir à stagner. Voilà. À l'effort, OK. d'un point de vue, un manchon sera un peu plus pratique que des chaussettes parce que pour le coup, à nouveau, hein, là, si vous avez des manchons, ce sera un petit peu moins fragile. Vous n'avez pas la partie pied qui pourrait être effilochée ou ce genre de choses. Donc, plutôt vous conseiller un manchon. Maintenant, si vous êtes un partisan des chaussettes, on fait des chaussettes d'effort qui sont aussi dans le but de limiter les vibrations, donc ce n'est pas trop un souci. Et D'accord. puis ensuite, par rapport à la taille, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous vous mettez à courir, le muscle, il va avoir tendance à gonfler. C'est chez tout le monde qu'on observe ça. Et puis ensuite, ce gonflement, il va être différent
selon l'individu. Il y a des gens qui vont prendre 2-3 cm de tour de mollet, d'autres qui prendront peut-être à peine 5 mm, et puis d'autres, ça ira jusqu'à 4 cm, ce qu'on peut appeler le syndrome des loges, par exemple. Et du coup, pour ces gens-là, eh ben, il vaut mieux privilégier la taille au-dessus. Parce que si vous mesurez, je n'ai pas chez Compressport, par exemple, la taille est entre, de mémoire, hein, ça doit être entre 34 et 38 cm de mollet D'accord. pour des mollets. Donc, si tu fais 36 cm de mollet en taille 2 au repos, ben, en soi, pas de souci. Sauf que dès que tu te mets à courir, tu vas passer en 39 et en fait, tu passes en taille 3. Donc, ne pas hésiter, en fait, quand vous êtes en haute taille, à switcher sur la taille du dessus. Et comme ça, vous n'aurez pas cette problématique-là. Maintenant, on a beaucoup nos produits ces derniers temps avec une élasticité maximale. Et en fait, cette élasticité, elle permet justement de chaque individu. Et du coup, on a beaucoup moins ces problématiques. Ok. Donc, ça peut, donc, pour ceux qui se posent la question, quand ils ne supportent pas des bas de contention, des bas de compression à la course, c'est souvent un problème de taille, ils n'ont pas pris la bonne taille. Ouais, c'est une histoire de taille et de gonflement. Après, il peut éventuellement des problématiques de thermorégulation, hein. Mais si je parle que voilà, de compression, là, pour le coup, c'est uniquement ouais, un problème de taille. Où là, il ne faut vraiment pas hésiter à prendre des tailles au-dessus. C'est un petit peu comme un médicament, la compression, hein. Tout dépend ce que tu vois. Tu peux prendre un Doliprane 500, par exemple. Ça fera effet chez toi. Moi, c'est un Doliprane 1000 qu'il faut. Donc, c'est vraiment une histoire de dose. C'est vraiment dose. Et là, il faudrait peut-être aller pour certains. Alors, je pense que les manchons, en fait, que l'on fait, 80-90% de la population vont très bien les tolérer. Petite marge là, où là, pour le coup, peut-être qu'il faudrait faire du sur-mesure. Et du coup, pour ces gens-là, il faudra plutôt prendre une taille au-dessus. Il vaut mieux avoir un tout petit peu que des effets négatifs. Bien De sûr, nouveau, encore heureux, c'est vraiment ça prend une part assez infime de la population et aussi parce qu'on a des produits très élastiques. Ouais, voilà. totalement. Ok, super. Et du coup, j'avais une question. Quelle est la différence entre les bas de compression médicale et les bas de compression Compressport? Est-ce qu'il y a une différence déjà? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nos produits, en fait, sont faits sur des machines médicales. Et on parlait de compression. Alors, qu'est-ce que va apporter cette compression, ces machines médicales? Elles vont permettre un tissage à 360 degrés. En fait, la machine, elle va vraiment tisser et vous allez avoir un tube sans couture. Si vous n'utilisez pas des machines médicales, vous risquez d'avoir une couture. Et du coup, vous allez tisser comme ça, en fait, tout autour de la couture. Et là, vous ne serez pas capable de calibrer précisément la compression. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, on va dire ça, c'est le point commun entre notre compression et ce qu'on appelle la contention médicale. Et puis ensuite, les différences, ça va être justement l'élasticité. Là, on parle de compression sportive, de compression élastique, donc quelque chose de très élastique, justement, pour suivre ces gonflements à l'effort. Tu vois, si tu te mets en montée, par exemple, quand on montait, le mollet, là, il va être très sollicité, donc il va énormément gonfler. Donc là, tu as besoin vraiment d'avoir un pouvoir d'extension maximal que tu ne retrouveras pas sur les où là pour le coup par définition c'est très contentif et tu n'as pas d'élasticité. Nous avons perdu Ardo. Tu m'entends toujours? Moi, je t'entends plus. Alors, attendez. Si vous m'entendez, mettez un pouce déjà. Donc, pour le temps qu'il va se reconnecter, sur les dernières questions, avoir une meilleure connexion. Donc, pour résumer un peu ce qu'il a dit, je vais répondre aux questions qui sont là. Donc oui, effectivement, pour avoir du coup le manchon compression le plus adapté à vous, il faut que vous mesurez votre tour de mollet à l'effort ou juste après l'effort. C'est-à-dire que vous avez fait un footing et après vous mesurez le tour de mollet. Voilà, donc ce qui est le mieux. Alors, hop, on va l'afficher. Voilà, je crois qu'il va. Ça charge, il va repartir. Mais ça, c'est intéressant parce que moi, je savais pas exactement, je savais pas ce qu'il fallait. Je choisissais un bas de compression pensant que voilà,
j'étais à le mollet de base et en fin de compte, ce n'était pas du tout ma taille. Du coup, à l'entraînement, je me sentais un peu compressée et pas bien dans les bas. Et ça a tout de suite changé quand j'ai pris la taille au-dessus. Donc voilà, on a retrouvé la connexion. Yes. Parfait. Du coup, là, c'est une petite question un peu autre que compression. Mais comment éviter les échauffements, donc avec les frottements dus aux tenues qu'on a. Moi, je sais que je vais répondre juste un petit peu avant. Je sais qu'avec les tenues compressoires, il n'y a pas beaucoup de coutures. Et du coup, le fait qu'elles soient quand même très serrées, eh ben, elles ne bougent pas du tout. Moi, je sais que les shorts, malgré qu'on a peur parce que les bas compressoires, je les ai utilisés par exemple à embrun, et ils sont très, très serrés et ils n'ont pas beaucoup de peau de chamois, mais pour le coup, ils ne bougent pas du tout. Et du coup, je n'ai pas ces frottements que je peux avoir avec d'autres trifonctions. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose ou quoi. Ouais. En fait, je pense que c'est la même chose, par exemple. En fait, tu vas avoir des chaussettes qui sont très fitées, tes t-shirts vont être très fitées, et là, du coup, tu vas limiter en fait les frottements, hein, ça va moins bouger, et en bougeant moins ces problèmes d'irritation. Et donc ça, c'est le premier élément de réponse. Et bon, c'est justement, comme tu n'as pas de couture, savoir que c'est souvent les coutures, hein, qui sont synonymes d'échauffement, de frottement, etc. Donc le fait de ne pas avoir de couture et d'avoir ce qu'on appelle le seamless, hein, et de travailler sur du tube, et bien là, pour le coup, tu vas limiter un petit peu tout ça. Sur du long, on sait au combien c'est important, quoi. Parce que très rapidement, tu vois, c'est ces petits stress qui vont vite t'embêter et qui peuvent te gâcher les courses. Complètement. Donc ça, et puis ensuite, donc pas de travailler sur la microfibre. Ok. Donc là, c'est vrai que j'ai posé toutes les questions que je voulais, mais on va poser toutes les questions qu'il y a sur le live. Là, je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais je trouvais ça intéressante. Il y a Clara DLR qui nous dit « Pour les personnes ayant des problèmes digestifs lors des compètes, la compression peut-elle prévenir de ce genre de soucis ?» Étant donné que ça limite les vibrations. Ouais, il va y avoir différents éléments. Parce que le souci que tu peux avoir aussi, c'est que ça a des problèmes d'avoir une surcompression au niveau du ventre. Parce que si tu viens à serrer encore plus, là pour le coup. C'est embêtant quand même la connexion. Hein. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a trop de live sur Facebook ou si c'est la connexion qui est mal, mais c'est vraiment bizarre. Bon, alors. Et si vous avez des questions en attendant, n'hésitez pas à me les poser. Voilà. Alors. On va reafficher et on va recharger. Ça devrait faire. J'ai un bas qui est un peu filé. A-t-il toujours les mêmes propriétés? Ok, on va répondre à ça. Alors, on a une autre question. C'est pas grave. Il y a une autre question qui dit que, quand même intéressant, j'ai un bas donc compressport qui est un peu effilé. Est-ce que du coup, ça a les mêmes propriétés que s'il n'était pas effilé? Alors, tout dépend, effectivement, tout dépend comment il est effilé. Si c'est juste un petit point en soi, il n'y a pas trop de soucis. Que le fait que tu aies de la compression sur la longueur va permettre de compenser un petit peu. Maintenant, si c'est vraiment troué, là, ça peut être problématique. Et surtout, ça pourrait faire un petit peu comme une sorte d'effet garrot. Parce que si tu as un trou dans ton manchon, limite, tu vas avoir de la peau qui va sortir et tu vas avoir une surcompression au-dessus et en dessous. Et ça peut être embêtant. Maintenant, si c'est un petit point, c'est pas très gênant. Ok. Et donc, du coup, il y a une question pour résumer ce qui n'était pas là. Donc, les compressions, tu as dit que ce n'était pas la même compression à l'effort, avant et après. C'était deux choses différentes. Ouais, tout à fait. Avant, on est sur une compression et après qui permet d'améliorer le retour, éliminer les toxines, mieux récupérer et avoir moins les jambes lourdes. Et à l'effort, on est sur une compression qui vibration. Limiter la casse musculaire et du coup ben, limiter les blessures. Et puis ensuite, on peut aussi aller sur deux, par exemple. Voilà. On est plutôt là-dessus à l'effort. Une question concernant du coup les nouveaux peut-être produits compresseurs. Donc, est-ce qu'il existe des produits, donc est-ce que vous travaillez sur des produits natation
en lien avec la compression et l'innovation. Non, actuellement, on ne travaille pas. On travaille des produits spécifiques natation. On continue à retravailler un petit peu là et à redynamiser la partie triathlon, donc plutôt sur la partie course à pied et vélo. On continue aussi forcément à travailler la partie trail qui est nos sports numéro un. Mmh. Et surtout, on développe la partie running. Running plutôt road running, course sur route. Ou du moins un gros projet sur les années à venir. On a commencé déjà à sortir des choses et on va continuer à travailler là-dessus. Ok. Béni, quelle taille as-tu en manche? Alors moi, je crois, si je ne dis pas de bêtises, j'ai une taille 2. Parce que j'ai tendance à énormément gonfler à l'effort. Et du coup, moi, j'étais taille 2 que je prends. Mais j'ai testé beaucoup. J'ai eu beaucoup de questions concernant les tailles de shorts, etc. Moi, je prends toujours une gonfle énormément. Bon, alors, il y a moi, voilà. Donc voilà, concernant, j'ai beaucoup de messages au quotidien pour tout ce qui est taille de chez Compressport. Et globalement, je prends tout le temps une taille au-dessus de la normale. Pour justement appliquer ce qu'il a dit et que ce soit utile et pas contre-productif. Parce que quand on est trop serré dans ses vêtements à l'entraînement, c'est pas la meilleure chose. Voilà. Du coup, alors, je remonte les questions si jamais j'en ai oublié. Alors, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez d'autres questions. Utilises-tu les compressions sur les avant-bras lors des Ironman? Alors moi, j'en utilise pas, mais qu'est-ce que... J'ai vu qu'il y a des manchons pour les bras qui existent chez Compressport, j'ai jamais essayé. Et donc là, c'est pour l'aérodynamisme. Ouais. Là, tu seras vraiment sur de l'aéro. Après, ça dépend, je pense, aussi, ça dépend aussi des conditions climatiques, parce que tu peux avoir aussi des problématiques de régulation. Mais sur de l'aéro, s'il ne fait pas très chaud, pour le coup, ça peut être très utile de porter les manchettes, parce qu'il y aura autant de gains que des manchons de mollets, premièrement. Mmh. Et puis, éventuellement, ça aussi, c'est que si tu as des manchettes, même s'il fait un petit peu chaud, tu sais que si tu les humidifies, ça t'apportera plus de fraîcheur que la peau nue, donc ça peut être intéressant. Et, ouais, moi je t'encourage à porter des manchettes pour les parties vélo, quoi, notamment sur la partie vélo. Alors là, il y avait une question justement, à mon avis, il n'a pas compris ce qu'on a dit. La compression à vélo n'est donc pas la même en course qu'en course à pied. Comment pouvons-nous faire sur un format Ironman à part changer sa tenue complètement? Alors, c'est pas ça que tu disais pour les bas de compression, tu disais ça. Non, ouais. Ce que je disais, c'est que les effets ne sont pas les mêmes. En fait, l'idée, c'est que derrière, on va travailler un manchon, par exemple, qui va pouvoir utiliser à vélo ou en course à pied. C'est surtout, en fait, l'effet qui ne sera pas le même. En course à pied, on sera vraiment sur un effet anti-vibratoire. Tu limites la casse musculaire, tu fatigues, etc. À vélo, tu n'as pas ces vibrations. Donc tu es moins sur cet effet-là. À vélo, tu seras surtout sur un effet aéro, premièrement. Et éventuellement, tu peux être sur un effet retour veineux ou sur les parties où tu ne pédales pas. Mmh. Donc, si tu es sur une course relativement plate, tu vas pédaler tout le temps. Donc, voilà. Par contre, si tu es sur une course assez vallonnée, dès que tu es en descente et que tu ne pédales pas, ou que tu es en position aéro, par exemple, et là, pour le coup, la compression va permettre d'activer ce retour veineux. Et là, c'est intéressant. Ok. Et là, il y a une question intéressante. À quoi servent les petits ronds? Donc, il y a des petits ronds qui apparaissent sur les chaussettes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle, nous, chez nous, les dots. Donc, ces dots, en fait, ils vont avoir différentes utilités. Ils sont nés, en fait, de base suite au point d'acupuncture chinoise. Donc, c'est comme ça que sont nés les dots Compressport. Maintenant, ça fait vraiment partie intégrante de la marque. C'est même l'image de la marque. Et puis ensuite, ces dots, ils vont avoir une utilité. Ils peuvent avoir une utilité de protection, par exemple. Donc, tu auras des dots sur la partie malléole quand tu es en trail, par exemple, ou sur des terrains un peu escarpés, ou là, pour éviter les cailloux, ce genre de choses. Le dot, il va permettre aussi, en fait, dans ta chaussure, il va permettre d'avoir une surépaisseur. Et en fait, l'air va passer entre les dots. Et du coup, ça va mieux ventiler la tête. Et ça va faire aussi en sorte qu'elle
qu'elle sèche un peu plus vite. Et ça, c'est surtout intéressant, notamment sur les courses où il fait chaud, que tu es en permanence en train de t'humidifier. L'eau coule et tu as les pieds trempés, ça peut faire des ampoules. Donc là, c'est intéressant aussi pour ça, quoi. Ok. Et on va une petite dernière question avant de couper. Combien de temps faut-il garder les chaussettes de après l'effort pour que ce soit qu'elles fassent effet en fait? Ou au contraire. Alors pour le coup, ouais, tes chaussettes, tu peux les garder autant de temps que tu en as envie. En vérité, si tu en as besoin, si tu as les jambes lourdes, tu peux les porter. Il n'y a absolument aucune contre-indication. Bien au contraire. Moi, j'ai tendance, tu vois, si en général, je m'entraîne le soir. Si je m'entraîne le soir, bien souvent, je les porte toute la journée. Et comme ça, au moment où je vais démarrer mon training, j'ai vraiment les jambes légères. D'accord. Du coup, je l'ai encore perdu. Oh, punaise. On va y arriver. Mais ouais, moi, par exemple, pour donner une petite idée, je les garde... surtout quand on fait des compètes un peu loin de chez nous et qu'il y en a de la voiture ou des transports à faire. Moi, je les mets direct après la course et je les enlève des fois le lendemain matin, quoi. Pour vraiment... je me sens vachement mieux avec. Et pour tous les problèmes de gonflement après l'effort, parce que moi, le lendemain des courses, j'ai les pieds dans un état pas possible. Et du coup, bah, je les garde et ça quand même permet d'atténuer pas mal le gonflement et la sensation de vraiment lourdeur et d'étirement du mollet qui est vraiment assez désagréable. Voilà. On a fait le tour, il me semble. Si jamais, je vais laisser le live du coup. J'ai enregistré le live, comme ça on pourra le rediffuser sur la page Compressport. Et voilà. Donc bah merci beaucoup Arnaud en tout cas pour toutes les réponses que tu nous as données. Et je tiens aussi à dire, donc du coup, le but de ce live, c'était évidemment de vous informer et de répondre à toutes vos questions concernant les produits Compressport et leur innovation. Mais aussi, on fait ce live dans le cadre du Care Day de Compressport. Donc, c'est une action qu'ils ont mis en place toute la journée d'aujourd'hui pour récolter le maximum de... C'est gratuit pour tout le monde. Pour récolter le maximum d'inscriptions. Et à chaque inscription d'une personne, ils envoient au personnel soignant des bas du coup de contention pour les aider à travailler dans de meilleures conditions. Donc je mettrai, il y a le lien de l'inscription dans la bio de Compressport France. Moi je vais le mettre aussi en story, comme ça n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. C'est à chaque inscription, une paire de manchons est envoyée à un personnel soignant. Donc n'hésitez pas vraiment à vous inscrire et c'est pour la bonne cause. Voilà. Donc, merci beaucoup Arnaud et j'espère à la prochaine, pourquoi pas refaire un live avec d'autres questions. Ouais. Et désolé, j'espère que tu auras une meilleure côté. Parce que... Ouais, c'est dommage, mais avec tous les lives qu'il y a en ce moment, c'est normal. Voilà, ouais. Merci beaucoup à tout le monde. Merci bien, au revoir. Ciao. Voilà. Allez, je coupe. Merci beaucoup pour tous vos questions et messages. Et désolé pour les bugs. Je vais enregistrer ce live, comme ça vous pouvez le revoir et revoir toutes les questions qu'on a posées. Voilà, merci.